merci à toi. Je crois que le mérite va se dernier record du monde que j'ai fait était à 36 mètres l'année dernière. Et cette année, avec Maris pour la vie, on a eu l'opportunité, la chance de pouvoir s'exprimer dans le port de la Ciotat. Donc ça, pour moi, c'est une chance inouïe parce que je bénéficie d'une grue hydraulique, même si c'est assez inconfortable parce que ça bouge beaucoup. Aujourd'hui, il y a du vent, donc on est très, très, très pénalisé. C'est une des raisons pour laquelle peut-être je ne pourrais pas faire cette performance. Ça, je le saurai uniquement une fois que je serai sur la nacelle à 38 mètres. Mais c'est pas grave, peut-être je descendrai à 33 pour pouvoir faire quand même quelque chose pour le public et surtout que le public soit sensibilisé et puisse se connecter un petit peu avec Maris pour la vie et tout ce qu'ils font pour. Vraiment, je veux vraiment remercier cet asso dans lequel je m'emploie pleinement parce qu'ils ont fait un travail colossal pour pouvoir réaliser cet événement qui est pour moi d'une importance capitale. Voilà. Alors, notre association Maris pour la vie a été créée en 2003. C'est une bande de copains qui étaient en bonne santé, qui malheureusement ont perdu une de leurs amis, qui n'a pas eu une greffe auquel elle aurait dû avoir. Et donc, nous avons décidé de monter une association pour faire la promotion du don d'organes, c'est-à-dire expliquer au grand public ce qu'était le don d'organes, ne pas regarder le don d'organes par le côté funeste, mais plutôt par le côté donner la vie, parce que lorsque on donne des organes, eh bien on peut sauver plusieurs vies. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on a tous en nous. On est tous receveurs d'organes le jour où on a un problème, donc il faut tous qu'on soit donneur. Voilà. Et actuellement, il y a 30% de refus de familles qui ne connaissent pas ce que pensaient leurs proches, donc ils refusent ces dons, et c'est deux personnes par jour qui décèdent parce qu'il n'y a pas de don d'organes.